Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Téléimages sur le net ou sur les réseaux câblés dans la zone métropolitaine de New York. Je suis Valerio Serri. Nous allons commencer ce magazine d'aujourd'hui en disant bravo très fort et félicitations à la diaspora haïtienne des États-Unis d'Amérique qui s'est distinguée au cours des élections du mi-mandat. Ces élections portent le nom en anglais de Midterm Election. Ce sont les élections des deux chambres du Congrès des États-Unis qui se tiennent au milieu du mandat du président des États-Unis. L'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est renouvelé, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat américain. Ces élections tirent leur nom du fait qu'elles interviennent à la moitié du mandat quadriennal du président des États-Unis et ces élections scandent toute la politique intérieure du président américain. Les élections de mi-mandat interviennent comme toutes les élections fédérales, le mardi suivant le premier lundi de novembre, Election Day donc. Ainsi, et vous l'aviez vu le week-end dernier, ces dernières élections de mi-mandat ont eu lieu ce 4 novembre dernier. Et c'est à ces élections que plusieurs compatriotes haïtiens américains sont sortis gagnants de postes politiques assez importants dans leurs circonscriptions ou leurs localités respectives. C'est ainsi qu'avec fierté aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous voulons dire bravo, nous voulons saluer ces compatriotes haïtiens, haïtiennes qui se sont distingués donc dans ces élections. Il faut dire plutôt haïtiens, américaines, n'est-ce pas? Haïtiens, américains ou haïtiens, américaines. On commence par saluer et dire bravo, félicitations à Madame Ludmilla Bourdeau. C'est une dame, jeune dame, née ce 6 décembre 1975 de parents haïtiens, Marie et Jean-Maxime Bourdeau. À ses parents, on dit aussi félicitations, n'est-ce pas? Ils doivent être fiers aujourd'hui. De son pseudonyme Mia Love, elle a été élue, tenez-vous bien, comme la première femme nègre du Parti républicain à s'asseoir et servir au Congrès des États-Unis. Et c'est la toute première haïtienne américaine à atteindre ce poste électoral. On lui dit bravo. Et Mia Love, de son pseudonyme donc, elle représentera l'État de Utah au 4e district. Mes amis, nous très fiers de dame ça, de haïtienne américaine ça, Kim Kadi en quelque sorte a fait fierté haïtien à travers le monde et surtout ici aux États-Unis. Nous voulons aussi saluer un autre élu dans ces élections. Il s'agit de Monsieur Carl Racine qui a gagné les élections, élu comme attorney général dans la zone de Washington DC. Bravo à Monsieur Racine, Monsieur Carl Racine, un jeune compatriote haïtien, haïtien américain, qui lui aussi a gagné à ses élections. Nous saluons du côté de la Floride le Dr Smith Joseph, élu comme maire de la ville de North Miami. Et puis Mademoiselle Kimberly Jean-Pierre, qui de son côté à Long Island a gagné aux élections comme Assemblywoman. Elle servira au 11e district à l'État de New York. Nous saluons cette fois-ci du côté de Brooklyn une dame qui a fait quand même un long chemin dans la politique américaine, Madame ou Mademoiselle Rodney Bishop, élue Assemblywoman. Elle servira au 42e district de l'État de New York. Et puis, et on a plaisir à revoir ce visage réélu comme Assemblywoman servant le 22e district de New York. The one and only Michaël Solage. Michaël Solage qui a été réélu, il faut dire, et de façon extraordinaire. Elle avait devant elle, enfin, elle avait en face d'elle un autre candidat haïtien lui aussi. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, Michaël Solage a été réélu. Et puis, du côté du Massachusetts, de Boston, une autre femme, encore une fois, qui nous fait honneur. Madame Linda Dorsena Fury, qui elle aussi a été réélue comme sénatrice de l'État du Massachusetts. Mes amis, c'est avec un pile fierté, nous-mêmes dans Téléimages, n'a pas de bravo pour tout haïtien, haïtienne, ça y est, qui fait nous vraiment très fiers de nous-mêmes. Ainsi, je me joins à toute l'équipe de Téléimages, à tous les médias haïtiens dans la zone métropolitaine de New York, pourquoi pas dans la diaspora. Ceci pour féliciter de façon chaleureuse tous ces compatriotes qui ont fait l'honneur de leur double nationalité, s'il vous plaît. Double nationalité haïtienne-américaine, ceci en s'engageant dans la course électorale et en gagnant ces élections ici aux États-Unis d'Amérique. Bravo, bravo encore une fois et félicitations. C'est important de mentionner ça parce que peut-être que dans nous qui avons gardé en Haïti, nous pensons que les Haïtiens en diaspora, c'est seulement venir travailler ici, bail blanc l'œil, voir quoi en Haïti, et puis parfois rentrer en Haïti à le visiter. Non, nous-mêmes tout, dans la diaspora haïtienne, ici aux États-Unis surtout, nous impliquer dans les affaires politiques, nous intégrer nous, et voilà que nous avons brigué des postes électoraux, nous fait campagne, nous gagnons, et je pense que c'est important pour nous dire bravo, félicitations, tout simplement, n'a pris tiré chat pour nous bien bas devant compatriotes ça, qui ont même engagé dans les affaires politiques américaines. Donc, nous voyons que l'haïtien, en quelque sorte, moi je l'ai dit, je le redis encore une fois, je pense que l'haïtien est un animal politique, foncièrement, hein, nous carrément de nature intéressés à la politique. Et heureusement que nous venons ici aux États-Unis depuis quelques années déjà, depuis des décennies, nous intégrer nos mains politiques américaines assez bien. Et nous allons à l'élection et nous gagnons des postes. Et nous, nous félicitons. Mais nous remarquons, hein,
Vous avez remarqué aussi, peut-être, que c'est surtout les femmes, ça que passe ces messieurs-là. Regardez ces femmes haïtiennes qui pivotent rien dans les affaires politiques. Elles ont plus de succès au niveau politique, les femmes haïtiennes, haïtiennes américaines, ici aux États-Unis, on dirait. Quid de vous autres, messieurs, quid messieurs-là, dans les affaires politiques-là. Enfin, on va voir. De toute façon, encore une fois, Téléimage tenait, en début de cette émission, à saluer, à féliciter ces haïtiens américains qui ont certainement fait campagne, qui ont brigué un poste électoral et qui ont gagné surtout. Monsieur Valério Saint-Louis, restez branchés, vous êtes à Téléimage.